Le programme de musique, en fait, les multiples profils du programme de musique préparent les jeunes à leur future carrière de musicien, musicienne, bien sûr, de façon théorique, académique, pédagogique, adéquate, évidente. Mais pour un étudiant qui veut seulement avoir 2 ou 3 années de plus de musique, quelqu'un qui adore la musique, qui a le goût d'en faire un petit peu plus, puis qu'il n'est pas trop certain dans quel programme il veut s'en aller à l'université, le deck en musique est un deck général. Donc, il va vous ouvrir les portes à plein de programmes. Donc, les cours que je suis, j'ai des cours plus théoriques comme littérature musicale, langage musical, des cours comme ça. Puis j'ai des cours pratiques, donc mon cours d'instrument principal, mes cours d'ensemble, des cours que j'apprends plus les techniques aussi. Les avantages de venir étudier à Sainte-Foy en musique, il y a beaucoup le fait qu'on est installé dans la faculté de musique de l'Université Laval. Ça nous permet d'avoir accès à de l'équipement, à des ressources qui seraient difficiles d'accès autrement parce que la faculté est ultra bien équipée, entre autres d'un studio là, qui est un des studios les mieux équipés à Québec. Puis en plus, ben, d'être ici, ça nous permet de côtoyer les gens qui sont au bac puis à la maîtrise en musique. Grâce à la formation de la Jeune Coop La Boîte à musique, en 2018, on permet maintenant aux étudiants de s'approprier davantage le programme et de vivre des expériences professionnelles qui vont vraiment ressembler à ce qu'ils vont avoir sur le milieu du travail. Donc, ils vont faire de l'animation musicale dans différents contextes, ils vont pouvoir s'initier à l'enseignement en donnant des cours individuels d'instruments, ils vont pouvoir aussi faire du tutorat dans les différents cours théoriques. Un atelier que j'ai vraiment beaucoup aimé dans mon parcours, c'est la revue musicale. C'est très nouveau, mais c'est vraiment le fun. On est plein d'étudiants qui produisent un spectacle. Donc, on a un concert vitrine en décembre souvent, puis un vrai concert en avril. Ça a été une expérience enrichissante en termes de scène puis d'expérience, mais aussi en termes personnels pour moi. Au final, on va juste devenir une petite famille. Par exemple, l'orchestre s'accorde, nous autres, on est peut-être une douzaine de musiciens. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. On va faire des activités ensemble en dehors des cours. Si j'avais à résumer le programme vite, je dirais que ce serait la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je regrette vraiment pas d'avoir décidé d'aller en musique. Ça m'a ouvert les yeux sur le monde. Ça m'a permis d'avoir des amis beaucoup plus que je pensais, qui ont toutes la même passion que moi. Puis ça m'a permis d'avoir plus de connaissances puis de voir à quel point je suis capable de progresser puis de m'améliorer en tant que musicienne puis en tant que personne aussi.